This is so wizard, and I'm sure you'll do it this time. Do what? Finish the race, of course. You've never won a race? Well, not exactly. Not even finished? Kitster's right, I will this time. Maintenant que vous savez qu'il est primordial de commencer par le premier jet pour vous approprier votre histoire et pour avoir de la matière première, et que vous savez qu'il n'existe absolument aucune règle quant à la forme que doit prendre ce premier jet, il ne vous reste plus qu'à commencer, à vous lancer et à écrire le dit premier jet. À ce stade, donc, les seules règles que vous devez concrètement respecter, c'est de bien laisser libre cours à votre imagination, de vous laisser guider au maximum par l'inspiration, de noter tout ce qui vous vient à l'esprit, et de ne vous imposer aucune contrainte d'aucune sorte, si ce n'est peut-être celle d'écrire aussi régulièrement que possible. Mais aussi et surtout, s'il y a bien une règle à propos du premier jet pour qu'il soit valide, et qu'il vous permette effectivement de pouvoir travailler par la suite, c'est que vous devez impérativement aller jusqu'au mot fin. Il est excessivement important, absolument nécessaire, que vous ayez au final une version complète de l'histoire, c'est-à-dire avec un début, un milieu et une fin. Et donc, la principale difficulté que vous rencontrerez en écrivant le premier jet, l'unique difficulté même, sera justement d'arriver jusqu'à ce mot fin sans vous arrêter. La tâche sera d'autant plus difficile pour ceux qui ont envie ou besoin d'écrire de longs premiers jets détaillés, car ils seront bien plus susceptibles de rencontrer des blocages, et c'est bien normal. J'ai déjà parlé des différents blocages que l'on pouvait rencontrer en écrivant un roman et des différentes manières d'y remédier. Certes, très naturellement ici, l'essentiel des blocages viendront d'un manque de préparation vis-à-vis du texte puisque, par principe, il ne faut surtout pas préparer son premier jet. Ce qui veut dire que, très régulièrement, vous allez un peu vous retrouver comme des idiots devant votre feuille ou votre ordinateur et vous demander comment lier vos scènes entre elles ou comment faire pour compléter cet énorme trou dans votre histoire. Et c'est bien normal. Surtout, ne paniquez pas. Bien entendu, à ce stade, puisque le premier jet est vraiment la première étape de travail, inutile d'essayer de revenir aux étapes précédentes pour pouvoir trouver la solution, vous ne pouvez pas procéder ainsi. Pour autant, je ne crois pas du tout que ce soit une bonne solution que d'attendre que l'inspiration vienne. Encore une fois, il vaut toujours mieux provoquer l'inspiration que de l'attendre, quitte à tout effacer et à recommencer le lendemain. Pour cela, je l'ai dit dans l'épisode consacré au blocage, le meilleur remède, c'est tout simplement de se forcer à écrire. De commencer à poser sur le papier une idée, si stupide soit-elle, ou carrément de l'emprunter à un autre texte si nécessaire. Et à partir de là, essayez, essayez et essayez encore jusqu'à trouver la bonne idée, celle qui vous satisfera le plus. Mais en fait, je vais même aller plus loin et vous déconseiller à ce stade de l'écriture d'appliquer cette méthode-ci. Encore une fois, l'idée est de suivre votre inspiration et rien d'autre, de ne vous imposer aucune limite, et cela implique donc, quelque part, que vous ne devez surtout pas vous arrêter. En effet, si vous vous arrêtez, cela veut probablement dire que vous allez commencer à douter, à remettre en question ce que vous avez écrit, ou pire encore, que vous allez chercher à obtenir une certaine qualité d'écriture pour essayer de vous assurer que votre premier jet soit déjà une base assez solide. Surtout, si vous commencez à réfléchir de la sorte, arrêtez-vous tout de suite. Le premier jet, ce n'est pas le moment pour se soucier de la qualité. Je sais que beaucoup d'auteurs, lorsqu'ils écrivent leur premier jet, réfléchissent longuement et essaient dès le départ d'assurer une certaine qualité. Ils n'hésitent pas à réécrire certains passages, à en remanier d'autres pour les ajuster à une nouvelle idée qu'ils ont eue en chemin, à s'arrêter pour trouver la meilleure idée possible, celle qui leur plaît le plus et transcendra le lecteur d'émotion. Et je sais que, du coup, ces auteurs bloquent plus souvent que tous les autres lorsqu'il s'agit de finir leur premier jet, voire n'arrivent jamais au bout car ils se rendent compte en cours de route qu'il y a une énorme incohérence dans leur récit. Je l'annonce tout net, ce n'est pas la bonne façon d'aborder le premier jet. Encore une fois, le premier jet, peu importe les efforts que vous y mettrez, ne sera jamais bon, ne sera jamais parfait, et comportera généralement des erreurs si énormes qu'il vous sera très difficile de les corriger. Que vous soyez un jeune auteur fraîchement lancé dans l'aventure ou un vieux baroudeur avec des dizaines de publications à votre actif, votre premier jet sera toujours nul. Certes, certains auront peut-être un coup de génie et auront dès le premier jet des idées suffisamment brillantes pour que le texte ait un intérêt, mais soyons honnêtes, même ces premiers jets-là sont loin, très loin, d'être prêts pour la publication. C'est pourquoi je veux vous conseiller, lorsque vous écrivez votre premier jet, d'assumer pleinement sa mauvaise qualité. Je ne vous demande pas, bien sûr, de faire n'importe quoi ou de chercher à rajouter des défauts, non. Ce que je vous conseille de faire cependant, c'est de ne surtout pas vous soucier de la qualité de votre premier jet. Ce n'est ni le lieu pour le faire, ni le moment. Et de toute manière, ça ne servira pas à grand chose puisque vous allez passer toutes les prochaines étapes de l'écriture à plus ou moins casser ce que vous avez fait dans le premier jet.
Donc oui, ne vous souciez surtout pas de la qualité, et d'ailleurs, je vais même vous donner les deux règles suivantes pour être certain d'aller au bout de ce premier jet. Ne revenez jamais en arrière, ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Vous arrivez à un blocage à un moment de l'histoire que vous n'avez pas prévu et vous bloquez parce que vous ne savez pas quoi écrire ? Pas de problème. Mettez-y la première idée qui vous vient, aussi nulle soit-elle, piquez une idée à quelqu'un et passez à la suite. Si ce passage vous bloque, c'est qu'il ne vous inspire pas. Et le but du premier jet, c'est de suivre votre imagination. N'y passez pas des jours, ça ne vaut pas le coup. Vous êtes en train d'écrire, vous êtes arrivé au milieu de l'histoire et d'un seul coup, vous avez une super idée pour le début ? Pas de problème. Ne vous embêtez pas à réécrire tout depuis le début, notez simplement l'idée dans la marge, dans un coin, dans une note de bas de page ou sur un post-it, et continuez à écrire le premier jet comme si vous aviez déjà fait la correction. Vous vous rendez compte en cours d'écriture qu'une intrigue secondaire ne tient pas la route et vous voulez la supprimer ? Pas de problème ! Notez ça dans un coin et continuez à écrire la suite comme si cette intrigue secondaire n'existait pas. Vous vous rendez compte qu'il y a une énorme incohérence dans votre texte mais vous ne savez pas comment la régler ? Pas de problème, ne vous en souciez pas, notez simplement qu'il faudra régler le problème plus tard, puis continuez à écrire comme si de rien n'était. Bref, vous avez compris le principe. Quoi qu'il arrive, continuez à écrire. Si vous avez un blocage, évacuez-le immédiatement et ne vous en préoccupez pas davantage. Encore une fois, vous êtes ici en train d'extraire votre matière première. Tout le monde s'en fiche que votre premier jet ressemble à quelque chose, puisque de toute manière, il sera mauvais et que vous devrez passer des mois à le corriger. S'il y a des problèmes, peu importe, vous vous en occuperez plus tard. L'important à ce stade, c'est d'écrire le premier jet et d'arriver jusqu'au mot fin. Vous ne devez absolument pas avoir d'autres préoccupations en tête, c'est très important. Et si vraiment vous avez besoin de motivation et d'inspiration supplémentaire pour cet exercice, je vous conseille de vous entourer de gens dont le seul et unique but sera de vous encourager. De gens qui vous tanneront pour avoir les prochains chapitres ou qui vous répéteront à quel point votre histoire est géniale et vos personnages sont formidables. C'est bête, mais ça fonctionne du tonnerre et à ce stade, il n'y a vraiment pas de mal. Beaucoup de forums d'auteurs, par exemple, proposent ce genre de service communautaire. Vous ouvrez un sujet pour donner des nouvelles sur vos avancées, et des gens viennent vous dire à quel point c'est formidable, vous pouvez parfois poster des extraits et les gens viennent vous dire que c'est trop bien, qu'ils adorent votre plume, et cela vous donne aussi un espace sur lequel échanger autour de votre projet, ce qui vous donnera aussi plein de nouvelles idées pour avancer. Tant que ça vous aide, n'hésitez surtout pas. Mais quoi qu'il arrive, surtout, ne vous souciez pas de la qualité à ce stade, c'est très important. Au fur et à mesure que vous aurez l'habitude de raconter des histoires et d'écrire des romans, que vous apprendrez à maîtriser la technique, il est fort possible que vos premiers jets s'améliorent et deviennent de plus en plus efficaces en eux-mêmes. Ce qui est tout à fait normal, puisque votre esprit sera entraîné à concevoir de meilleures histoires dès le départ. Mais ces premiers jets-là seront loin d'être parfaits, croyez-moi, et vous aurez toujours, toujours à retravailler des choses. Et puis, de toute manière, pourquoi vous soucier de la qualité de votre premier jet alors que personne ne va le relire ? Parce que, oui, je déconseille aussi fortement de faire relire votre premier jet. Déjà parce qu'il est fort probable que ce soit un globibulga informe que vous seul êtes à même de comprendre, mais aussi et surtout parce que cela sera contre-productif. Votre premier jet n'est pas prêt, n'est pas bon, ne vaut techniquement pas grand-chose du tout. Faire relire ce genre de document, c'est un peu chercher à ce qu'on vous pointe du doigt des évidences. Tout ce qu'on pourra vous dire à ce stade, c'est que oui, il y a des gros gros problèmes à régler et ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Alors voilà, même si vous avez une envie terrible de faire découvrir le fruit de votre travail à quelqu'un, patientez. Attendez d'avoir un document retravaillé et propre avant de faire réellement relire à quoi que ce soit à qui que ce soit. Et puis, quitte à avoir du mal à trouver des relecteurs de qualité, autant ne pas gâcher vos cartouches tout de suite. Voilà voilà, fin de l'épisode, j'espère que vous avez bien compris et que vous irez jusqu'au bout du premier jet sans vous arrêter la prochaine fois. C'est vraiment essentiel, croyez-moi. Pour ceux qui ont manqué l'annonce la dernière fois, je le répète, j'ai décidé de donner des cours d'écriture par correspondance. Alors si vous aimez bien ce que je raconte et que vous pensez que je peux être un bon prof, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Passez aussi sur mon site, vous y trouverez tout plein d'articles très intéressants. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner en cliquant sur la cloche. Et si vous voulez me donner un coup de pouce, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, partagez-la sur les forums, sur Twitter, sur ce que vous voulez, mais partagez-la, c'est vraiment le plus important. Sur ce, à la semaine prochaine et n'oubliez surtout pas d'écrire.